Bonjour les créatives, c'est Émilie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 10e origami. Aujourd'hui, je vous montre ma méthode simple pour réaliser un papillon. Je me suis aidée pour cela de mon livre Ma déco origami. Je vous mets le lien en description. Vous allez pouvoir réaliser plusieurs papillons une fois que vous saurez la méthode pour ainsi réaliser un mobile par exemple. Allez, on commence tout de suite. Pour la réalisation, j'ai besoin d'une feuille carrée, ici on est à 15 cm de côté. J'ai besoin d'une paire de ciseaux et d'un peu de colle liquide. Allez, c'est parti, je commence le pliage du côté blanc et je vais chercher les deux diagonales. Voici la première et je plie la deuxième. Donc ici, j'ai mes plis, je vais enfoncer sur les côtés pour plier en triangle. J'appuie bien. Je plie mon triangle en deux. Et ici, je vais venir découper la pointe en forme arrondie. J'ouvre mon triangle et je vais venir mettre les pointes vers le sommet. Donc je prends juste la première partie. Je fais la même chose du côté gauche. Ensuite, je retourne mon triangle, la pointe vers le bas. Et je vais mettre cette pointe vers le haut et je vais le faire dépasser du haut du papier, à peu près sur 1,5 cm. J'appuie dans le centre. Je retourne et la pointe qui dépasse, je vais la replier sur le dessus vers l'intérieur. Donc là, ça devient très épais. C'est cette petite pointe que je vais venir coller. J'ajoute une petite pince en bois, le temps du séchage de la colle, et je vais venir former mon papillon en arrondissant un petit peu les ailes. Voilà, comme ceci. Et voilà, chers créatifs, je vous avais dit que la réalisation de cet origami serait rapide et simple, et c'est le cas. Vous avez réalisé ce petit papillon en quelques minutes seulement. Je vous souhaite de belles réalisations et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos.